bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 2. Bien évidemment, avant de commencer et comme chaque début d'épisode, je vous conseille un casque ou des écouteurs et de mettre la qualité en 1444p, 60fps, la qualité la plus optimale possible pour apprécier au mieux la qualité de ce titre incroyable. Et je vais me permettre de vous voler une ou deux minutes en ce début d'épisode parce que c'est quelque chose qui me paraît rien de plus normal. C'est tout simplement vous remercier du fond du cœur. Car au moment où je reprends les records, c'est-à-dire cet épisode 5, j'ai attendu la sortie officielle du jeu et j'ai attendu de sortir les premiers épisodes. J'ai donc sorti à l'heure actuelle les deux premiers épisodes et waouh, vous avez été incroyable. 2019, qui l'eût cru, vous avez envoyé les deux premiers épisodes directement dans l'espace, à savoir en top tendance. Et ça, croyez-moi que c'est incroyable parce que passer en top tendance avec du Fortnite, du Minecraft et du roleplay GTA, c'est pas évident et vous l'avez fait. Je sais pas si l'épisode 3 sera en top tendance, j'en ai aucune idée, ou le 4 ou autre. Ça va peut-être s'essouffler, mais quoi qu'il arrive, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos commentaires. C'est tout simplement juste fou. Je n'y croyais pas, je n'y croyais plus au top tendance, en dehors de Fortnite et Tutti Quanti. Mais bah les gars, vous m'avez redonné tout simplement espoir. Merci à vous encore une fois. Je me devais vraiment de faire un petit aparté parce que on a propulsé deux premiers épisodes, les gars, en top tendance. Et encore une fois, putain, mais merde, c'est dingue, c'est dingue. Et vous pouvez l'entendre, je ne suis plus malade, donc je vais prendre bien plus de plaisir. Attention, je prenais évidemment déjà du plaisir, mais là tout de même. Allez, on est parti, on reprend directement une cinématique que vous avez vue lors de l'épisode 4. Je suis d'ailleurs désolé, l'épisode 4, vers la fin, je vous ai fait entre guillemets perdre 10 minutes. Mais je pense qu'on devait faire vraiment le dernier tour du commissariat. Et dans mes souvenirs, j'avais oublié qu'on revenait, bien évidemment qu'on va revenir vu toutes les pièces fermées et toutes les choses qu'il nous reste à faire. Ne vous en faites pas, on reviendra, mais je l'avais oublié par simple précaution, j'ai préféré faire un dernier tour. Et franchement, il n'était pas en vain parce qu'on a réussi à débloquer 2-3 petits trucs très sympas. C'est parti, on remate la cinématique pour se remettre dedans. Et encore une fois, gros bisous à vous, vous êtes juste fous. Ça mène bien en bas. C'est bon, on peut sortir. Lieutenant Brana! Marvin! On fiche le camp. Hey, Marvin. On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez-moi... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Comptez sur moi, Marvin. Nous voici donc dans les sous-sols du commissariat. On sait ce qui se passe au début. On va refouiller un petit peu la pièce. Ah oui, des munitions de pompe, évidemment. J'ai gardé de l'herbe sur moi parce que vous savez que ça va forcément partir en cacahuète, si je puis me permettre cette petite expression. Le joyau, je pense que je peux le laisser, mais on va le garder sur soi au cas où. La grenade paralysante, je sais pas vraiment l'utiliser. Bref, quoi qu'il en soit... Oh... De la poudre. De la poudre. Est-ce que ça vaut le coup de save? J'ai pas prévu de mourir dans l'immédiat, pour être très honnête avec vous. Arme spéciale ajoutée! Bah oui, parce que le jeu est sorti entre temps. J'ai reçu mon code Micromania. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc j'ai reçu quelques armes supplémentaires qu'on ne va pas utiliser parce que c'est des pistolets. Voilà, c'est juste des skins de pistoles. Peut-être... Niveau balle de pistolet. Vous savez quoi? On se refait un petit caprice, si je puis me permettre. Voilà, on se refait 14 balles. Et on va reprendre la grenade, bien évidemment, assourdissante.
Et on va garder les planches. Je suis pas sûr qu'il y ait des planches en sous-sol. Hein. Hop, on va poser ça là. Allez, on y va. Cette fois-ci, on est équipé. Je suis un petit peu blessé, mais encore une fois, il faut optimiser au mieux, évidemment, les soins. Alors, vous êtes très sympa, hein, bien évidemment, à donner des conseils que je connais déjà la plupart du temps, mais c'est très mignon de votre part. Mais s'il vous plaît, juste appréciez, en fait, hein, finalement. Vous ne prenez pas la tête, il n'y a aucun souci. De toute façon, je veux découvrir le jeu. Donc, vos conseils sont sûrement bons. Et j'en applique, mais là, c'est une licence qui me tient à cœur. J'aime les faire proprement. Vous pouvez aller voir Resident Evil 4. C'était incroyable, ce petit let's play très sympa. Avec Leon, d'ailleurs, encore une fois. Donc, vous inquiétez pas, laissez-moi faire, je gère. Installez-vous, prenez des pop-corn, prenez une petite boisson et faites-vous plaisir parce que vous allez passer un bon moment, une bonne demi-heure avec moi. Oh, 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 petit coquin. Toi, je t'avais... Oh, 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 oh oui. Là, tu commences à me séduire. Là, tu commences à me parler. Alors, s'il te donne une grenade, frérot, c'est qu'il va y avoir une putain d'embrouille. Rappelez-vous que ils sont totalement aveugles, les Lickers. Pardon. Tu oses faire face à ma suprématie. C'est quoi ce problème-là? Il y a un litige. Très bien. Là, on a une clé, mais on ne peut pas. Parce que, de toute évidence, nous n'avons point de clé, n'est-ce pas? Et utiliser un couteau. Ah, mais attends... On l'avait déjà vu, hein, évidemment. Hein. Je vais pas faire le gars... Je comprends pas. On est bloqué. Putain, c'est trop bien. On est au sous-sol, on est Keblo. Mais c'est quoi ce délire? Attends, j'ai pris la mauvaise sortie, je pense. Hein. J'ai juste pris la mauvaise sortie, pas de panique. Ça me fait chier de boiter, mais bon. C'est comme ça. Ah putain, bah ouais, c'était là. Ah merde. Je suis allé plus bas que près. On l'avait déjà entendu, hein. Ça, c'est un bruit très suspect, ça, monsieur, hein. C'est quoi, ça? On suit vraiment le bruit, les gars? C'est nécessaire? Y a pas d'autre alternative? Excusez-moi! Ah oui, putain, on avait été jusqu'au bout. Et c'était une salle qui me faisait peur. Pourquoi? Parce qu'elle est gigantesque, en fait, c'est n'importe quoi. Mais putain! Désolé, excusez-moi, ça m'arrive de m'énerver des fois pour rien. Pourquoi c'est... À quel moment les sous-sols d'un Comico, c'est aussi grand, les gars? C'est ridicule. Commencez à me casser les couilles. Et j'ai oublié de maintenir. Quelle erreur du joueur français. Allez. Leon, fais pas le con. Vous devrais-je dire Léon? Ah! Putain! Oh, mais non, pas toi! Ok. Courez! Pas l'air de vouloir discuter. Attendez, s'il vous plaît. Non. Ah! Ok. Rien ici. Non, non, s'il te plaît! Pardon, excusez-moi. C'est un réflexe. Je rigolais, frère! Oh putain, c'est. Putain, mais c'est chaud de choper. Bien, je suis prêt. Je suis prêt. Grenade! Lâchez-moi, monsieur! Monsieur! Vous êtes pas dans votre état habituel! Pas de choix. Il faut que je la batte. Ok? Monsieur, je rigolais! Ok. On va respirer un peu. Hop, on se retourne. Oh, wow, c'est nouveau ça, c'est nouveau. Ah. Non. Hop. Un petit couteau. C'est bugué, on est dans un endroit bugué, monsieur, faut partir. Oh non, je suis débile. Ok. Désolé, je panique totalement. Je m'attendais pas à un putain de boss à l'épisode 5 dès le début. Sachant que j'ai fait une petite journée pause. Enfin, quelques journées pause. Ah! Ok, monsieur, vous êtes totalement malade.
il y a des médecins, vous savez. Ça ne sert à rien de s'énerver. Hop. Ok. Il est mort. Monsieur. Ah, ici. Ah, je suis pas chéri, monsieur. Vous devez me confondre. Ok. Non, il va miser toutes mes balles, ce petit bâtard. Ça, ça pète. Monte ton œil. Ok. Ça devient critique. Mon état actuel devient critique. Oh putain, mais ouais, mais quand tu cours vite comme ça aussi, c'est très chiant. Ah! Oh la vache! Sacré baramine! Ok. Monsieur, je sais pas, vous avez un truc, c'est une conjonctivite ça, monsieur. Ah, j'ai plus de couteau. Allez, Leon, s'il te plaît, tu m'habitues à mieux, frérot, tu m'habitues à mieux. Vache. Je pense qu'on est mort en fait. Viens, mon frérot. Il évolue ? Oh la vache ! Monsieur, de toute évidence, ça ne va pas bien, monsieur ! Prenez un bon ophtalmo ! Ah ! Je vais mourir ! Et quand on a plus de balles, on fait quoi? On se gratte le cul? Ok. La sueur est présente? Ah oui, bah oui. Évidemment. Ouh! T'arrêtes pas, Léon. T'arrêtes pas! Oh la vache! Oh la vache! Vous l'avez vu cette barre de fer incroyable! C'est incroyable! Putain, mec! Il te faut combien de fucking balles? Dernière cartouche, j'en ai rien à branler. Hein. Non, c'est impossible. Monsieur, vous êtes beaucoup trop fort pour moi. Je m'avoue vaincu, no joke. Là, je m'avoue totalement vaincu, monsieur. Vous êtes beaucoup trop chaud. C'est-à-dire, arrivé à un moment, il n'y a plus de balles, en fait. C'est pas ça qui est ça, comme on dit. Oh, wesh. Ok. Vous êtes mort. Merci, merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Ok, bah, on est mort. On est mort. Bah, on est reparti. Première mort du jeu. Je vois qu'on a un problème, en fait. Je vois que le mec est très très chaud. C'est chaud, les gars. Je retente, c'est méga chaud. Ah là là, il est chaud de ouf, lui. Putain. Ok. Pas l'air de vouloir discuter. Ok, on va attendre que son... Ok. Monsieur, votre œil. Oh oh. Ok.
rigolais. Faut arrêter de tout casser, monsieur. Oh, c'est beau. Belle balle. Belle balle qu'on a là. Pas le choix. Il faut qu'on se la batte. Belle balle. Très belle balle que je mets là. Alors là, les gars, excusez-moi du peu. Je ne suis pas peu fier. Ok. Dans la tête. C'est pour moi. Allez. Ok. Oh, c'est des très belles balles, hein. On est dans un plaisir constant. Ah, je fais le même tour. Je sais que je suis à la droite, mais par précaution, je connais pas le... Oh, monsieur change de chemin. Ça fait plaisir. Frérot, je... J'ai paniqué. Ok. Ok, il est totalement perdu. Ok, il demande à l'aide. Cet homme n'est pas bien. Je sais pas ce qu'il a bouffé hier. Ok. Frérot, là on tente le tout pour le tout, les gars. Au bout d'un moment. Je rigole. Ok. Je rigole. Oh, il aime pas les blagues, hein. Oh, il a tout cassé. Son œil devient de plus en plus vénère, mais. J'arrive pas! C'est bon! Yes! J'ai plus de balles. Oh bah, c'est un petit peu rouillé. Quelqu'un m'observe. Ah, qui ça peut bien être? Bon les gars, on sait tous qui c'est. Enfin j'espère en tout cas. Peut-être Claire. Peut-être quelqu'un d'autre. Les gars, c'est terrible par contre. On rigole. Si je puis me permettre cette petite expression. Alors, je ne suis pas peu fier. On s'est pas fait toucher une seule fois. Ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Tout le monde se fait plaisir. Mais j'ai plus de balles en fait. Donc, bah écoutez, on va se battre avec... mes couilles et évidemment mon couteau. Oh non! Ah mais non, mais c'est bon, je me suis pas fait choper. Donc le couteau, normalement, je l'ai pas perdu. Oh, merci. Oh, ils sont très généreux, dis donc. Oh, ça va super vite ici. Une générosité sans limite. Ah oui, c'était grand, j'aurais pu faire un... Ok, très bien. J'aurais pu faire de très beaux tours là, si je puis me permettre. Ah oui. Mais c'est même très très grand. Oh, dis donc. De toute façon, très honnêtement, ça reste entre vous et moi. Si jamais j'avais plus de balles, je serais venu ici. Ça va par contre la collection de fleurs Ok, go. Oh, d'accord, une grenade posée. Ok, d'accord, très bien. Je pensais que c'était pour fermer la vapeur. Très bien, bon, on peut y aller. On s'est régalé, si je peux me permettre cette petite expression. Est-ce que ça serait pas mieux de faire, regardez. Voilà, tout simplement, on va utiliser une seule herbe. Et on va mettre le reste, bien évidemment, en réserve. Pas évident. Pas évident parce que la première fois on s'est quand même fait saccager la gueule. Donc honnêtement on s'en est bien sorti. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Bien voulu que vous me le donniez un tout petit peu avant. Et qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Ok, on peut y aller. Il est pas mort, hein, vous en doutez bien. Très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce que je vous propose. Voilà. Hop, on va prendre ça. Il faut vraiment que j'aille à une mallette, les gars. Parce que là, j'ai beaucoup trop de stuff, si je peux me permettre. Ouais, je suis un petit peu l'américain. Bah, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vécu, au bout d'un moment, faut se permettre. Ok. Ça va faire quoi?
Ok, ça bouge la plateforme. Très très bien, on adore. Aucun souci. On est bon. On est bon, on va continuer évidemment, parce que j'ai subi un échec terrible qui nous a pris bonne partie du temps quand même de l'épisode. On y va les gars. Une demi-heure sinon rien. Oh, que vois-je? Quelle beauté, c'est de toute beauté. Allez, ça on pose. Ça, bon, je pense qu'on va poser aussi. Ça, on va le redéplacer là-haut. Mes munitions, on va les mettre ici. Pff, allez, on va peut-être le déposer. Peut-être pas besoin pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Des petites balles de pompe, c'est toujours cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, on peut pas en faire. Bah voilà, ça dégage. Hop, déposer aussi, allez. Boum. On verra ça à l'avenir. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, on dirait également. Hein. Oh yes! Oh mais mec, encore deux places supplémentaires. Putain, on est les boss. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, on va save hein, très rapidement. Ça, c'est fait. Bon. J'avais oublié qu'on l'affrontait aussi vite. Voilà, pour être très honnête avec vous. Je ne pense pas qu'il soit mort, pour être encore plus honnête avec vous. Je pense qu'on le retrouvera sûrement dans les égouts, parce qu'il est tombé bien bas. Ok. Le parking du commissariat. Très très bien. On va fouiller un petit peu à gauche à droite. Nous avons une porte ici totalement incroyable. Et fermée, qui plus est. Donc je pense qu'il va falloir trouver la clé. Nous avons de quoi ouvrir le portail électrique. J'ai entendu un bruit suspect. Et dans suspect les gars. Ok. J'ai peur qu'il y en a un qui sorte des sacs, frérot. Le moment où t'es clairement pas prêt. On a une autre porte de sortie ici, très très bien. On a encore une porte ici. Oh, mais ça va super vite, en fait. On va réessayer cette porte. Je suppose que tant que j'ai pas déroulé le... Ok, ouais, bon, allez, on y va. Hein. Au bout d'un moment, faut voir la vérité en face. Très bien. Ok, c'était bon. Merde. Il me faut la carte. Oh non. Oh non, j'ai pas le pont. Non. Oh, c'est pas vrai. Tu vas me lâcher. Hey. Qui êtes-vous? Attention. Baisse ça. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Je me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Eh bien, c'est génial. Ça m'a fait le plus grand des biens. Hey, obtenir la carte du parking. Mais qu'est-ce que je dois faire? Yes! Elle vient de là-bas, par contre. Petite maline. Bon, elle a ouvert derrière moi. Ça, c'est très très bon. On va pouvoir aller voir un petit peu d'où elle vient. Parce que, franchement, je me pose la question. C'est parti. Oh non, je rigolais. Je me pose plus trop la question, les gars. Non, je... Oh, un parapluie, peut-être. Oh, il va y avoir des chiens. Ah non. Ah non. Elle vient de là. Devrait y avoir aucun danger. On fouille tous les stands. Ok. Une boîte. Alors les gars, ça fait extrêmement plaisir. Destruction d'équipement. Objet à détruire. Clé du véhicule de patrouille 74-39. Détail,
clé pliée, inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. Très bien. On va devoir donc trouver les clés d'une voiture. Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets, Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains garnements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Et ça, ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis, c'est très dangereux. Alors ne faites pas ça. À bientôt au zoo! Eh oui, ne tirez pas avec des jouets pour vous en... Oh quoi? Ouais, non mais les gars, vous... Enfin... Vous êtes dans l'abus le plus total, monsieur. Cartouche. Ça, je prends. Hein. Coûte que coûte, j'en ai rien à branler. Hein. Il y a un jouet. Il marche. C'est quoi ce délire? Ok. Hop, on s'en va. Hein. Je crois avoir tout fouillé. Je suis pas sûr, mais... Je crois que tout est bon de mon côté. On a tout lui aussi. Faudra revenir ici plus tard. En attendant, il nous faut vraiment la carte. Ici, c'est verrouillé. Et ici, il n'y a strictement rien à faire. Donc, elle vient de là. Mais sans la carte, on ne peut pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. Quoique, on avait ce petit couloir. Par où mène-t-il? Aucune. Je rigole, hein. Ok. Oh la vache! Une plante bleue, dis donc! Ah! Ok, 3 balles de pistolet. Désolé, hein, ne faites pas de violence aux animaux. Ok, 3 balles, 3 balles. Oh, putain, c'est mon ombre, le con. Excusez-moi. Bon, normalement, il n'y a plus de chien. Oh putain, qu'est-ce que je fous? Où je vais, là? Où je vais, bordel de merde? Oh putain, je crois savoir. Oh yes! Ah mais non, j'ai pas la manivelle! Ça va nous ramener au commissariat, souvenez-vous, il y a le volet fermé. Ok, on est dans le côté morgue, ça fait toujours plaisir. Rapport d'autopsie, 53-477. Nom du défunt, Justin Hanson. Homme blanc, 39 ans. Observation, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Le numéro combien? Oh non. Bah non. On va quand même pas tous les souffrir. Je suis sûr qu'il y a des petites surprises à l'ancienne. Tu vois? Tu sais, tu choisis. Alors, tu veux quelle surprise? Eh vas-y, on y va, c'est bon. Moi j'adore les surprises. Ok. Ça s'ouvre pas plus. Bonjour monsieur. Alors, est-ce vous? C'est... Oh, 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 ah. C'était pourtant évident. Ils sont plusieurs! Oh! Headshot! Lui, il peut plus bouger, c'est terminé pour lui. Allez, faut mourir, monsieur. Hein. Allez! Hop, un petit effort! Voilà! Là, tu me fais plaisir. Je crois qu'il est mort. Hein. J'ai vu un petit morceau de boyau partir. Très bien.
il m'a filé une nouvelle clé. Eh, hey, hop. Nous les gars, on est des gens soigneux. On range, d'accord. Toujours prendre soin des autres. Allez, on va peut-être tous les ouvrir. Ok, ça s'ouvre pas. Oh, madame. Oh, oh madame, bah alors. C'est clair. On va rester là-dedans, madame. J'ai envie de la sortir. Attendez. La con. Elle m'a fait rire. Bonjour, madame. Non, de toute évidence, elle est totalement morte. Allez, au revoir, madame. C'était très sympa. Malheureusement... Ah, ouais, elle est décédée juste avant, c'est terrible. On n'a rien pu faire. Ok, reste tout cela à ouvrir. On sait jamais, les gars, un petit bonus, un petit truc sympa. Bah, regardez. Regardez celui-ci, ce qu'il va nous offrir. Voilà. Au revoir, monsieur, c'était très cool. Hop, vous voyez, ça vaut le coup, les gars. C'est ça, le plaisir. Ça passe par les choses simples. Ok. On va les laisser tirer. Ah, quel dommage. Pas de bol. Pas de bol au tirage, les gars. Ah, putain. Allez, hein. Cassez-vous, hein. Plus vous voir. Fuck. Oh, bah. Bah, dis donc. Eh, ça va, putain. Oh là 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 là. Ok. Très bien, j'ai justement besoin de ça. Combiner. Et là, je peux l'utiliser. Ce mélange de deux plantes élimine les toxines, réduit les dégâts et protège temporairement contre le poison. On va peut-être pas l'utiliser, ça sert à rien, je ne suis pas empoisonné. Hop, on remballe. Comme quoi, il n'y a pas spécialement besoin de bruit pour vous faire peur. Juste de choses inattendues. Et c'est ce qu'ils ont clairement réussi à faire dans le jeu. Ça qui est incroyable. Bon, on a une nouvelle clé. Tu sais que ça là, les chiens vont passer par là, frérot. Hein. Je les ai tués parce que c'était compliqué, mais tu sais qu'ils passeront par là. Hein. Des barres. Ah non, je croyais que c'était ouvert. Ok. On découvre des trucs incroyables ici. Hein. Partout où on va, on découvre des trucs incroyables. Je l'avais loupé à l'aller. Okay. J'avais cru voir quelque chose, mais non. On peut y aller, les gars, on peut rentrer. Très bien, donc c'est de là que vient Ada. On va revenir, évidemment, étant donné qu'on va réouvrir un accès direction le commissariat. Mais avant cela, il nous faut la carte magnétique pour pouvoir ouvrir aussi le parking et le coffre d'une voiture. Et je sais plus, par contre, c'est quelle voiture. C'est pas celle-ci. Il y a un coffre de voiture à ouvrir. C'est elle, je crois. C'est elle qu'on va pouvoir ouvrir à l'avenir. Je crois que c'est totalement elle. Mais là, ça sert à rien, on peut pas, on n'a pas la clé. Je sais pas du tout où elle. Très bien, allez, on y va les gars. On bombarde. On va essayer de save, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé, j'ai un peu. Ok, bonjour. Bonjour, bonjour. Hop, un petit 360 noscope, ça fait plaisir. C'est moi qui régale. Très bien. Oh, c'est plus qu'il n'en faut. Oh. Allez, plan du commissariat B1. Donc, sous-sol 1, parking. Ah bah voilà, c'est beau ça. Ah, porte-carreau, putain, bah ouais. Donc, faut que je retourne au stand de tir. Très, très bien. Il faut que je retourne au stand de tir. Oh non. Non, je veux juste save, les gars. Ok, on va finir la pièce au stand de tir. Moi, les gars, je voulais juste save, en fait. Et je suppose que je peux pas revenir en arrière. Allez, on va retourner au stand de tir vite def si ça vous gêne pas. Je sais que ça vous gêne pas. Putain, je sais que je vais devoir y aller, je le sais. C'est évident, les gars, bien sûr. Mais bon, on a le temps d'apprécier. Tiens, le stand de tir était pareil ici. À quel moment tu te lèves? Excusez-moi. Ok.
Ok. Ok. Ouvre la porte. Oh, ça les a broyés, dis donc. Allez. On est bon. C'est parti. Oh. Ça commence à me faire plaisir par ici, dis donc. Très bien. Une nouvelle pellicule, ok, qui nous donnera sûrement un indice. Une fois développée. Très très bien. C'est tout? On a fait ça pour une pellicule? Vous ne foutez pas un peu de ma gueule peut-être? Vous avez pas l'impression que j'ai juste envie d'arrêter le record là? Allez, on y va. C'est bon, pas le temps de niaiser. Direction la prison. Je sais que ça va mal tourner, mais bon, c'est pas grave. Dans mes souvenirs, c'était pas très rose ce qui se passait là-haut. Mais c'est comme ça, on doit le faire au bout d'un moment. On va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve demain pour la suite de notre incroyable aventure avec l'épisode 6, évidemment. À demain tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao.